Chelsea. Moi, ça me coupe pas l'envie. Moi, je me dis, ouais, pourquoi pas. Je voudrais mordre à pleine dent dans les joues roses d'un enfant. J'y dirais, salut mon petit gars. Et me dirais, salut papa. Je l'emmènerais faire des conneries, tous les trucs qui sont pas permis. Comment tu trahis les meufs? Comment c'est qu'on fait flatteur? Mais c'est là que t'as dit que la vie, c'est pas des gâteaux. Et qu'on fera pas de gueuzo, qu'on fera pas de marmot. Est-ce que tu t'attendais à ça au moment où tu as décidé justement de faire de chanter, d'écrire? J'ai toujours su que ce que je faisais était bien et je pense aussi être utile, surtout pour parler de sida par exemple, pour parler de toxicomanie et de trucs comme ça, quoi. Je pense que je suis utile, donc je me pose pas la question de savoir si je vais avoir du succès ou pas. Moi je le fais parce que je suis fier de le faire, parce que c'est ce que j'ai à dire et c'est ce que je fais le mieux, quoi, d'exprimer sur ce que je ressens ou ce que je pense, parce que je me prends pour un artiste. Tu cours dans une sanisette, et là pour toi c'est la fête. Avec l'eau de la cuvette, tu prépares ta petite dinette. Mais quand enfin tu plantes ton vieux dans ton bras devenu noueux et tu le